When you want to shout the shout of victory, when you want to shout the shout of victory, quand tu veux pousser des cris de victoire, to the King of Kings, au roi des rois, to the Lord of Lords, au Seigneur des seigneurs, to the one who conquered the devil, à celui qui a vaincu le diable, and to the one who has been with us for 10 days now, healing, delivering, serving, et pour celui qui a été avec nous de 10 jours, guérissant, délivrant, sauvant, you shout in such alors, a way, alors tu pousses les cris de telle manière that the enemy is shaken, que l'ennemi est secoué, if I had my way, si j'avais toute ma liberté, we would not do that here. On ne ferait pas ça ici. We would do it on the street of Douala. On devait faire ça sur les rues de Douala. We would have gone to the street of Douala. On devait partir sur la rue. Shouting and jumping. Yeah. And say Jesus has conquered. Et dit Jésus a vaincu. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. I want you to know. J'aimerais que tu saches. Your life will never be the same. Ta vie ne sera plus jamais la même. Say my life will never be the same. Dis ma vie ne sera plus jamais la même. My life will never be the same. Ma vie ne sera plus jamais la même. My life will never be the same. Ma vie ne sera plus jamais la même. Because Jesus conquered. Parce que Jésus a vaincu. He defeated the enemy. Il a vaincu l'ennemi. He defeated the enemy. Il a vaincu l'ennemi. And he gave me victory. Et il m'a donné la victoire. Say, I have entered his victory. Dis, je suis entré dans sa victoire. You are going to shout it louder that you have entered the victory. Tu vas crier cela maintenant que toi, tu es entré dans la victoire du Seigneur. What have we been doing here? Qu'est-ce que nous avons été à faire ici? And that's the title of our message. C'est ça le titre de notre message. The blood, le sang, the cross, la croix, and the name of Jesus. Et le nom de Jésus. The blood, le sang, the cross, la croix, and the name of Jesus. Et le nom de Jésus. The blood, le sang, the cross, la croix, and the name of Jesus. Et le nom de Jésus. All the messages, tous les messages, we have been sharing here, que nous avons été à partager ici, is in these three directions. C'est dans ces trois directions. In these three directions. Dans ces trois directions. To summarize what we shall share, pour résumer ce que nous allons partager, the blood of Jesus, le sang de Jésus, cleanses you from all your sin, te purifie de tous tes péchés, and bring you nearer to God, et te rapproche de Dieu. The blood of Jesus, le sang de Jésus, washes away all your sin, lave tous tes péchés, cleanses you. Ça te purifie. It is the blood of Jesus, c'est le sang de Jésus, that gives you, qui te donne access, l'accès, into the presence of God, dans la présence de Dieu. Without the blood of Jesus, sans le sang de Jésus, no matter your good deeds, quelles que soient tes bonnes œuvres, they will only be filthy rags, elles ne seront God, que comme un vêtement souillé devant Dieu. The blood of Jesus, le sang de Jésus, gives you, te donne the right, le droit, to talk to God, de parler à Dieu. Because the blood of Jesus, parce que le sang de Jésus, covers all your sin, couvre tous tes péchés. Covers all your sin. Il couvre tous tes péchés. If not,
sinon, when you appear before God, quand tu vas te présenter devant Dieu, God will judge you. Dieu va te juger. Without the blood of Jesus, sans le sang de Jésus, you appear before God. Si tu te présentes devant God Dieu, will judge you immediately. Dieu va te juger immédiatement. God will judge you immediately. Dieu va te juger immédiatement. The blood of Jesus, le sang de Jésus, cleanses you, te purifie, purifies you, il te lave, cleanses your conscience, il purifie ta conscience, and opens the door, et il ouvre la porte into the presence pour que of tu God. Puisses entrer dans la présence de Dieu. And the blood of Jesus, et le sang de Jésus, qualifies you, te qualifie. To talk to God. Pour parler à Dieu. Qualifies you. Le sang de Jésus te qualifie pour avoir une relation avec Dieu. The cross of Jesus. La croix de Jésus transforms you. Te transforme. Delivers you. Te délivre. To make you to become like God. Pour te rendre, pour que tu deviennes comme Dieu. The cross of Jesus. La croix de Jésus transforms. Elle transforme. Transforms. Elle transforme. Breaks the power of sin. Elle brise la puissance du péché. Breaks the power of the enemy. Elle brise la puissance de Breaks l'ennemi. The power of curses. Elle brise la puissance Breaks des malédictions. Elle brise la puissance des maladies. The cross of Jesus. La croix de Jésus transforms the man. Elle transforme l'homme. Were crucified with him on the cross so that the body of sin may be done away with. Nous avons été crucifiés avec lui sur la croix afin que le corps du péché soit détruit. By the blood of Jesus, par le sang de Jésus, my sins are forgiven. Tes péchés sont pardonnés. By the cross of Jesus, par la croix de Jésus, I have the ability, j'ai la puissance, to say no to sin, pour dire non au péché, and to live a life, et mener une vie, that I can be like God, en sorte que je sois comme Dieu. That is part of the package of salvation. Ça fait partie du paquet du salut. By the cross of Jesus, par la croix de Jésus, the safe life is crucified. La même vie est, la vie de péché est crucifiée. Yourself. La vie du moi est crucifiée. Crucified. Crucifié. The love of the world. L'amour du monde. Crucified. Crucifié. The passion for other things. La passion pour autre chose. Crucifié. So that en sorte que you can resemble God. Tu puisses ressembler à Dieu. The cross of Jesus. La croix de Jésus frees you. Et te libère. The cross of Jesus, la croix de Jésus, transforms se transforme. The cross of la croix de Jésus, delivers you, te délivre. The cross of Jesus, la croix de Jésus, breaks the power of the enemy of brise la puissance de l'ennemi sur ta vie. La croix de Jésus, breaks the power of curses. Brise la puissance des malédictions sur ta vie. Jesus, la croix de Jésus, makes you, fait de toi, to live a life, quelqu'un qui mène une vie, that resembles God, qui ressemble à Dieu. Then the name of Jesus. Et puis le nom de Jésus empowers you. Te capacite. Hallelujah. Hallelujah. The name of Jesus. Le nom de Jésus empowers the man. Te capacite l'homme who has been cleansed by the blood of Jesus. Qui a été purifié par le sang de Jésus. And transformed by the cross of et Jesus. Et transformé par la croix de Jésus. To go. Pour aller for Jesus, pour Jésus, to represent, pour le représenter, Jesus, pour représenter Jésus, the name of Jesus, le nom de Jésus, gives you authority, te donne l'autorité. That's what I want to talk about today. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. The blood, le sang, that qualifies me, qui me qualifie. The cross, la croix, that transforms me, qui me transforme. The name, le nom, that empowers me, qui me capacite. The blood, le sang, washes me, me lave, qualifies me, et me qualifie, so that I can stand in the presence of God, afin que je puisse me tenir dans I la présence talk de Dieu. To God, je peux parler à Dieu. And the cross, et la croix, that makes me, qui me rend, to have victory over sin, qui me permet d'avoir la victoire devil, sur le péché, victory over curses, sur le diable, victory over sur les malédictions, victory over sur witches, les maladies, victory, sur les sorciers. The cross, la croix, that changes the sinner, qui change le pécheur. And the name, et le nom, that empowers the man, qui capacite l'homme. That's the summary of the message. Voilà le résumé du message. We shall then look at the biblical backing. Nous allons maintenant examiner les passages bibliques. To, so that you will know. Afin que tu saches. You who came here. Toi qui es venu ici. There is a package. Qui a tout un paquet.
that you have received, que tu as reçu, or that you will receive, ou que tu vas recevoir, the blood of Jesus, le sang de Jésus, that purifies you, qui te purifie, the cross of Jesus, la croix de Jésus, that transforms you, qui te transforme, the name of Jesus, et le nom de Jésus, that makes you, qui fait de toi, that you can stand before witches, qui fait en sorte que tu peux te tenir devant les sorciers, and you will no longer be afraid, et tu n'auras plus peur. You can tell them, tu peux leur dire, in the name of Jesus, le nom de Jésus, come on, get out, sors, get out of my sors, way, quitte mon chemin, so that from today, en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, you will no longer be a person, tu ne seras plus quelqu'un, that the slightest cockroach, que le petit cancrela, le cafard. You fall down. Tu tombes. At one time in Uganda. Une fois en Uganda. There was a strike. Il y avait une grève. And then the military police, they were throwing tear gas. Et les militaires étaient en train de jeter le gaz lacrymogène. It fell in one school. Et c'est entré dans un établissement. One of them exploded. Et l'un d'entre eux a explosé. Then another one landed near a girl. Et un autre a atterri à côté d'une fille. Then the girl lay down. Et la jeune fille s'est couchée. She actually thought she had died. Elle a pensé qu'elle était morte. She just lay down like elle this. S'est couchée comme ça. Other students came to her. Les autres étudiants, les élèves, wake sont venus. Lui dit, lève-toi, tu n'es pas morte, tu n'es pas morte. So she thought she had died. Elle pensait qu'elle était I morte. Was just lying down like et that. Elle était couchée comme ça. And because there are people here, parce qu'il y a les gens who actually think that they have died. Qui pensent qu'ils sont morts. They think that they have died. Ils ont pensé que tu es mort. And they are lying. Et ils sont couchés. And some have learned. Et d'autres, they have learned, ont appris that if you die, que si tu meurs like this, comme ça, when they are burying you, quand on va t'enterrer, they will break your leg. On va devoir casser tes pieds. So they lie down. Alors ils s'allongent proprement. And some say, et certains disent, if I die, si je meurs, when my eye is open, et que mes yeux sont ouverts, they will have problems. On aura les problèmes pour les fermer. Donc ils ferment eux-mêmes les yeux. You have not died. Tu n'es pas mort. You have not died. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. The name of Jesus gives you authority. Le nom de Jésus te donne de l'autorité. Let's look at what the Bible says. Regardons ce que la Bible dit. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Come and read for us. Lisez pour nous. Hebrews chapter 10. Hébreux chapitre 10. Verse 19 to 22. Verset 19 au verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 19 au verset 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la nouvelle vie et vivante, par la nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Il s'est dit pour brothers. Since we have confidence to enter the most holy place through the blood of Jesus. Il dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. We have confidence. Nous avons l'assurance. To go to the presence of God through the blood of Jesus. Pour entrer, the blood of Jesus. The blood of Jesus. Nous avons une pleine assurance pour entrer dans la présence de Dieu au travers du sang de Jésus, du sang de Jésus. It is the blood of Jesus. C'est le sang de Jésus that gives you confidence, qui te donne l'assurance, to approach the presence of God. Pour approcher la présence de Dieu. And listen, brethren. Écoutez, frères. On the day Jesus died, le jour où Jésus est mort, when he died on the cross, lorsqu'il est mort sur la croix, something took place. Quelque chose s'est produit. There was a curtain. Il y avait un rideau. There was a curtain. Il y avait un rideau. That curtain. Ce rideau.
separated the presence of God from everybody. Séparait la présence de Dieu de toute personne. The most holy place. Le lieu le plus saint. On the day Jesus died. Le jour où Jésus est mort. From the moment his blood came down. Dès l'instant où son sang a coulé. The curtain was torn into ce rideau là a été déchiré. And opened the door. Et la porte a été ouverte. So that. Afin que. We can enter the presence of God direct. Nous puissions directement entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. I thought we should be clapping. Je pensais que nous devions acclamer pour cela. I thought we should be clapping. Parce que nous devons acclamer à Dieu pour cela. You need to understand it. Si tu comprends. When he died, quand il est mort, his blood was poured out. Son sang a été versé. Then the curtain was opened. Et le rideau a été ouvert. And the blood is available. Et le sang est disponible. To enter the presence of God. Pour entrer dans la présence de Dieu. You pass through the blood. Nous passons par le sang. Hallelujah. Hallelujah. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Give you access into the presence of God. Te donne l'accès dans la présence de Dieu. And you get that blood of Jesus. Et tu reçois ce sang de Jésus. When you put your faith. Lorsque tu mets ta foi in the Jesus. À ce Jésus. Who died for you. Qui est mort pour toi. You can enter God's presence. Alors tu peux entrer dans la présence de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. You can go in the immediate presence. Tu peux entrer dans la présence immédiate de Dieu. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Can wash away all your sins. Peut laver tous tes péchés. But it's not all. Mais ce n'est pas tout. He said. Il dit. He said. Il dit. Verse 22. Verset 22. Let us draw near to God. Approchons-nous de Dieu with a sincere heart in full assurance of faith. Avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Having our heart sprinkled. Les cœurs purifiés. Our heart sprinkled with the blood. Les cœurs purifiés par le sang. To cleanse us from a guilty conscience. Pour nous purifier d'une mauvaise conscience. Each time, chaque fois, you think about yourself, que tu penses à toi-même, the devil tells you, le diable te dit, you kill, you had killed somebody. Tu as tué quelqu'un. Each time you think about yourself, chaque fois que tu penses à toi-même, the devil tells you, le diable te dit, you abortionist. Tu es quelqu'un qui commet des avortements. Each abortionist. Abortion. Un avorteur. Each time you think about yourself. Chaque fois que tu penses à toi-même, you hide your face. Tu baisses la face. Your conscience. Ta conscience. Can be cleansed. Peut être purifiée. Through the blood of Jesus. Au travers du sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of le sang de Jésus. The blood of le sang de Jésus. And I want you to know. Je veux que tu saches. That's what salvation is. Que c'est ça le salut. Ephesians chapter 1 verse 7. Ephésiens chapitre 1 verset 7. We are talking about the blood of Jesus. Nous parlons du sang de Jésus. Ephésiens chapitre 1 verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Hallelujah. Amen. In him, en lui, we have redemption. Nous avons la rédemption. We have redemption. Nous avons la rédemption through his blood. Par son sang. Through Jesus' blood, par le sang de Jésus, redemption means la rédemption signifie everything, toute chose that the devil took away, que le diable a pris because of your sin, à cause de tes péchés, you sold your life to the devil, tu as vendu ta vie au diable, you sold your conscience to the devil, tu as vendu ta conscience au diable, by the blood of Jesus, par le sang de Jésus, Jesus gets it back for you, Jésus récupère cela pour toi, the blood of Jesus, le sang de Jésus, gives us redemption, nous donne la rédemption, hallelujah, hallelujah, the blood of Jesus, le sang de Jésus, buys back your authority, rachète ton autorité, by
buys back your possession. Rachète tes possessions. Buys back your relationship with Rachète God. Ta relation avec Dieu. That's what redemption is. C'est ça la rédemption. Redemption. La rédemption means to free a person. Signifie libérer une who personne. Sold himself. Qui s'était vendu lui-même. Away. Qui s'était lui-même vendu. By the payment of a price. Par le paiement d'une rançon. And that price is the blood of Jesus. Et cette rançon, ce prix, c'est le sang de Jésus. Lift up your hand and say, Lord, I thank you for your blood. Lève la main et dis, Seigneur, merci pour ton sang. Lord, I thank you for your blood. Oh, Seigneur, merci pour ton sang. Lord, I thank you for your blood. Seigneur, je te remercie pour ton sang. I thank you for your blood. Je te remercie pour ton sang. I thank you for your blood. Je te remercie pour ton sang. The blood. Le sang. That restores everything that the enemy took away from you. Qui restaure tout ce que l'ennemi a pris de toi. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? We have said. Nous avons dit. The blood of Jesus. Que le sang de Jésus. Is the gate. C'est la porte. That takes you to the presence of qui God. Qui te permet d'entrer dans la présence de Dieu. And that when you are there. Et quand tu es là. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Takes away the guilty conscience. Ôte la conscience coupable. When you are there. Quand tu es là. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Gives you the right. Te donne le droit. To talk to God. De parler à Dieu. We have also said. Nous avons également dit. The blood of Jesus. Que le sang de Jésus. Restores everything you sold to the devil. Restaure tout ce que tu as vendu au diable. Let's clap to Jesus. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Listen. Écoute. The blood of Jesus. Le sang de Jésus cancel every agreement you have ever entered into with the devil. Annule toute alliance dans laquelle tu es entré avec le diable. The blood of Jesus. Le sang de Jésus cancel every agreement. Annule toute alliance. Every covenant. Toute alliance, tout engagement. Every agreement. Tout accord. Every covenant. Toute alliance. Every covenant. Toute alliance. Every covenant. Toute alliance. Every covenant. Toute alliance. That has been entered into. Dans lequel tu es entré. On your behalf. Dans lequel on est entré en ton nom. By someone. Par quelqu'un. Or by you yourself. Ou par toi-même. All the agreement. Tous les accords. With occultism. Avec l'occultisme, all the agreement, tous les accords, with witches, avec les sorciers, all those agreement, tous ces accords, all those covenant, toutes ces alliances, by the blood of Jesus, par le sang de Jésus, are canceled, sont annulées. They are canceled. Elles sont toutes 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 annulées. And as a result of that, et comme résultat. By putting your faith in Jesus. En mettant ta foi en Jésus. Someone can say. Quelqu'un peut dire. Satan. You have no more right over this person. Tu n'as plus de droit sur cette personne. You have no more right over tu this n'as person. Plus de droit dans cette personne. Get out of. Dégage. Get out of her life. Dégage, va-t'en. The agreement. Cet accord. Is broken. Est brisé. Because of the blood of à Jesus. À cause du sang de Jésus. The last thing about the blood of Jesus. La dernière chose au sujet du sang de Jésus. Come and read for us. Lis pour nous. Revelation chapter 12 verse 11. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Hallelujah. Amen. They overcame him by the blood of the lamb. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. By the blood par of le, Jesus. Par le sang de Jésus. You overcome Satan. Tu as la victoire sur le diable. When Satan stand before you. Quand le diable se tient devant about toi. To destroy you. Et veut te détruire. You remind him. Tu lui rappelles of the blood of Jesus. Le sang de Jésus. Everybody said the blood of Jesus. Que tout le monde dise le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Is the weapon you use against the devil. C'est l'arme qu'on utilise face au diable.
So when Satan stands before you, donc quand le diable se tient devant toi, when the witches start to attack you, quand les sorciers viennent t'attaquer, and you say you Mr. Witch, et tu dis toi Monsieur Sorcier, don't you know I'm the most educated person in Cameroon? Est-ce que tu ne sais pas que je suis la personne la plus instruite du Cameroun? Your education does not give you power over witches. Ton éducation ne te donne pas la puissance sur les sorciers. Get it very well. Apprends-le très sérieusement. Satan stands before you. Satan se tient devant toi. Then you tell Satan. Et tu dis à Satan. Don't you know? Ne sais-tu pas? I am the most beautiful person here in Cameroon. Que je suis la personne la plus jolie ici au Cameroun. Your beauty does not give you power over. Ta beauté ne te donne pas de puissance sur les sorciers. Or you tell Satan. Ou tu dis à Satan. Don't you know? Ne sais-tu pas? I am the richest person here in Douala. Que je suis la personne la plus riche de cette ville de Douala. Your wealth. Ta richesse. Does not give you power over Satan. Ne te donne pas la puissance sur Satan. When Satan stands before you. Quand Satan se tient devant toi. Accusing you. Et qui t'accuse. About to attack you. Et il est sur le point de t'attaquer. You tell him. Tu lui dis. Satan. Satan. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. I come against you. Je viens contre toi. He paid the price. Il a payé le prix. For my sin. Pour mes péchés. You have no right. Tu n'as pas de droit. To touch me. De me toucher. They overcame him. Ils l'ont vaincu. By the blood. Par le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. You should go out of this place. Tu dois sortir d'ici aujourd'hui. Covered with the blood of Jesus. Couvert par le sang de Jésus. Washed in the blood of Jesus. Lavé par le sang de Jésus. Surrounded by the blood of Jesus. Entouré par le sang de Jésus. And when you move from here. Et quand tu quitteras d'ici. You go out. Tu pars. And overcomer. Et tu comme un vainqueur, un vainqueur. They overcame him. Ils l'ont vaincu by the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. Let's clap to Jesus. Acclamons pour le Seigneur Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. And that's what the devil does. Et ce que le diable fait. To blind you. Pour t'aveugler. Et ce que le diable fait pour t'aveugler. So that you don't see. Afin que tu ne voyes pas. You need the blood of Jesus. Que tu as besoin du sang de Jésus. And as a result of that. Et comme résultat. He continues to defeat you. Il continue à t'affliger. I will say some few things about the cross. Je vais dire quelque chose, certaines choses sur la croix. And we will soon be praying. Et nous allons bientôt prier. The cross of Jesus. La croix de Jésus. Come and read for us. Lis pour nous. First Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Please listen very well. Écoutez très attentivement. First vous plaît. Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. He said the message of the cross. Il dit la prédication de la croix is foolishness to those who are perishing. C'est une folie pour ceux qui périssent. And that if you are here. Et que si toi tu es ici, you are perishing already, et tu es déjà en train de périr, when they preach the message of the cross to quand you, on te prêche le message de la croix, you look at it as foolishness. Tu regardes cela, tu te dis que mais ça c'est insensé. And you look at us like fools. Et tu nous regardes là, tu dis mais ça ce sont des fous. But the apostle said, mais l'apôtre dit, but to us, que mais à nous, to us, à nous, who are being saved, qui sommes sauvés, the message of the cross is the power of God. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. The message of the cross. Le message de la croix is the power of God. C'est la puissance de Dieu. So the cross. Ainsi la croix. The cross. La croix is the power of God. Est la puissance de Dieu for the defeat of the devil. Pour vaincre le diable. The cross. The cross. La croix is the power of God. C'est la puissance the de Dieu. The message of the cross. Le message de la croix. The message of the cross. Le message de la croix. When God, quand Dieu want the enemy defeated in your life, veut que l'ennemi soit vaincu dans ta vie, he gets the cross to work in your life. Il met la croix à l'œuvre dans ta vie. The message of the cross. Le message de la croix is the power of God.
C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Come and read for us. Viens lire pour read for us. Lis pour nous. Romans chapter 1 verse 16. Romains chapitre 1 verset 16. The message of the cross. Le message de la croix. Is the power of God. C'est la puissance de Dieu. The message of the cross. Le message de la croix. Everybody said the message of the cross. Que tout le monde dise le message de la croix. Is the power of God. C'est la puissance de Dieu. Is the power of God. C'est la puissance de Dieu. Is the power of God. C'est la puissance de Dieu. Is the power of God. C'est la puissance de Dieu. And that message of the cross. Et ce message de la croix. Is called the gospel. Est appelé l'évangile. That's what the true gospel is. C'est ça le vrai évangile. Read for us. Lis pour nous. Romans chapter 1 verse 16. Romains chapitre 1 verset 16. Romains chapitre 1 verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. This is Paul speaking. C'est l'apôtre Paul qui parle. Paul said, I am not ashamed of the gospel. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. I am not ashamed of the gospel. Je n'ai pas honte de l'évangile. Because the gospel, parce que l'évangile, is the power of God. C'est la puissance de Dieu. For anyone who believes. Pour toute personne qui croit. The gospel, l'évangile, is the power of God. C'est la puissance de Dieu. The gospel, l'évangile, is the power of God. C'est la puissance de Dieu. Not for everybody. Pas pour tout le monde. For those who believe. Pour ceux qui croient. Those who believe. Ceux qui croient. Power of God begin to work in your life. La puissance de Dieu commence à opérer dans ta vie. The gospel, l'évangile, is the power of God. C'est la puissance de Dieu. Say the gospel. Dis avec moi l'évangile. Is the power of God. C'est la puissance de Dieu. Say it aloud. Dis-le à haute voix. Say the gospel. Dis l'évangile. Is the power of God. C'est la puissance de Dieu. Are you afraid of the devil? As-tu peur du diable? Say the gospel. Dis l'évangile. Is the power of God. C'est la puissance de Dieu. The gospel. L'évangile. No, we are not hearing your voice. On n'entend pas bien vos voix. We are not hearing your voice. On n'entend pas bien vos voix. Lift up your hand and say the gospel is the power of God. Lève la main et dis l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Say the gospel is the power of God. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. When you receive the gospel, quand tu reçois l'évangile, and that gospel, et cet évangile is talking about, parle the death of Jesus, de la mort de Jésus, the blood of Jesus, le sang de Jésus, available for you, disponible pour toi, the gospel begin to work in your life. L'évangile commence à travailler dans ta vie. That is why, c'est pourquoi, the cross, la croix, has no power in the man who has rejected the blood. N'a pas de puissance dans la vie de celui-là qui a rejeté le sang. He who accepts the blood, celui qui accepte le sang, has believed the gospel, a cru l'évangile. The gospel, l'évangile, the power of God, la puissance de Dieu, the cross, la croix, begin to walk in his, commence à opérer dans sa vie. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? He who rejects the cross, celui qui rejette the blood, le sang, the cross, la croix, has no power over n'a your pas life. De puissance dans sa vie. And the man, et l'homme, the man, l'homme, who has rejected the blood, qui a rejeté le sang, the name of Jesus, le nom de Jésus, is of no use to you, n'a aucune utilité pour lui. That is why, c'est pourquoi, normally before we pray for people, normalement avant de prier pour les gens, we help you, on t'aide, we help you, on t'aide, to put your confidence, à mettre ta confiance, in Jesus, en Jésus, who died for you, qui est mort pour toi. The gospel, l'évangile, is the power of God. C'est la puissance de the Dieu. The gospel, l'évangile, is the power of God. C'est la puissance de Dieu. The one who believes the gospel, celui qui croit l'évangile, who believes that Jesus died for him, qui croit que Jésus est mort pour lui, the man who believes the gospel, celui qui croit l'évangile, believes that the blood of Jesus, qui croit que le sang de Jésus, was made available for him, a été rendu disponible pour lui. He opened his heart, il ouvre son cœur, he opened his heart, il ouvre son cœur, and the cross, et la croix. La puissance de Dieu va commencer à agir dans sa vie. Today, aujourd'hui,
Aujourd'hui, let the power of God que la puissance de Dieu walk in your life opère dans ta vie because of the gospel, à cause de l'évangile, not because of your power, pas à cause de ta puissance, not your power, pas ta puissance. The gospel, l'évangile, is the power of God. C'est la puissance de Dieu. But for those, mais pour ceux who are perishing, qui périssent, it is foolishness. C'est une folie. It is foolishness. C'est une folie. Instead of believing the gospel, au lieu de croire l'évangile, instead of believing the gospel, au lieu de croire l'évangile, they try hard. Ils se battent. Their salvation by their effort. Leur salut par leurs efforts. Today, mais aujourd'hui, let the gospel que l'évangile have effect puisse avoir son effet in your life, dans ta vie. The cross, la croix, the cross, la croix, the cross, la croix, the cross, la croix, the gospel, l'évangile, open the door, ouvre la porte, for the power of pour God que la puissance de Dieu to walk in your life opère dans ta vie. He who believes, celui qui croit, Jesus died for him, que Jésus est mort pour lui. Jesus died for him, Jésus est mort pour lui. He who believes, celui qui croit, Jesus died for his sin, que Jésus est mort pour ses péchés. Abandon his sin, et qu'il abandonne ses péchés. You cannot believe, tu ne peux pas croire, that Jesus, que Jésus died for your sin, est mort pour tes péchés, and you continue to live in et tu continues à vivre dans le péché. Faith, la foi, in the blood of dans Jesus, le sang de Jésus, the fact that Jesus, le fait que Jésus bled, a coulé son sang, blood came out, le sang est sorti de lui, because of your sin, à cause de tes péchés, you will have sorrow in your heart, tu auras la tristesse dans ton cœur. When you look at it, quand tu regardes cela, it is because of me, c'est à cause de moi, that the Son of God died, que le Fils de Dieu est mort. He loved me, il m'a aimé, and he died for me, et il est mort pour moi. I love him, je l'aime, and I abandon my sin for j'abandonne mes péchés pour lui. He loved me, il m'a aimé, and he died for me, et il est mort pour he moi. Shed his blood for il me. A versé son sang pour moi. I value his blood, je donne de la valeur à son sang, by turning my back to my sin, en me détournant de tous mes péchés. That is why in true repentance, c'est pour ça que dans la vraie repentance, you must have godly sorrow, tu dois avoir la tristesse selon Dieu à cause de tes péchés. You are grieved, tu es chagriné. Why? Pourquoi? Because, parce que your sin, tes péchés, pierce the heart of God, ont transpercé le cœur de Dieu. Read Genesis chapter 6 verse 5 for us. Lis Genèse chapitre 6 verset 5 pour nous. Your sin, tes péchés, pierce the heart of God, ont transpercé le cœur de Dieu. Genèse chapitre 6 verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. The Lord saw that the wickedness of man was great on the earth. Et que toutes leurs pensées et que toutes les pensées de leur cœur, that all the thoughts of their hearts, se portaient chaque jour uniquement vers le mal, were evil all the time. Continue. Et l'Éternel dit, verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. God repented for making man on earth. Et il fut affligé en son cœur. And he grieved. Il a été affligé. God was regretting. Dieu regrettait. That he made man on earth. Qu'il a fait l'homme sur la terre. Because God saw. Parce que Dieu a vu. All the imagination of their hearts. Toute l'imagination de ton cœur. Was evil all the time. Était méchant. Was wickedness all the time. C'était de la méchanceté à tout moment. And God began to regret. Et Dieu a commencé à regretter. That's what sin did. C'est ça que le péché a fait. Sin made God. Le péché a amené Dieu. To be full of pain. Le péché amène Dieu à être plein de douleur. That is why. C'est pourquoi anybody, toute personne, who wants to repent, qui veut se repentir, must feel, doit ressentir the pain, la douleur, God is feeling, que Dieu ressent, because of his sin, à cause de ses péchés. If you don't feel the pain, si tu ne ressens pas cette douleur, finish that verse. Finis ce verset. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. God said, I will wipe mankind from the earth. Dieu dit, j'exterminerai l'homme de la terre que j'ai créée. Thank you. Merci. That's what sin does. Voilà ce que fait le péché. Sin. Le péché pierces the heart of God. Transperce le cœur de Dieu. Sin. Le péché grieve God.
afflige Dieu. Sin. Le péché. Bring pain to God's heart. Apporte de la douleur dans le cœur de Dieu. Sin. Le péché. Move Jesus to die on the cross. A amené Jésus à mourir sur la croix. And when he was on the cross. Et quand il était sur la croix. The Father abandoned him. Le Père l'a abandonné. When the Father saw the sin of the world quand on Jesus, le Père a vu tous les péchés du monde sur Jésus, he abandoned Jesus. Il a abandonné Jésus. And Jesus cried, et Jésus a fait écrire, my God, my mon God, Dieu, mon why, Dieu, why have you forsaken? Pourquoi m'as-tu abandonné? Why have you forsaken? Pourquoi m'as-tu abandonné? He was forsaken. Il a été abandonné. Because you need to be accepted. Parce que tu devais être accepté. We needed to be accepted. Nous avions besoin d'être acceptés. God's heart was pierced. Le cœur de Dieu était transpercé. That's why. C'est pourquoi. Anybody. Toute personne. Who believes. Qui croit. Jesus died for him. Que Jésus est mort pour lui. When you put your faith. Quand tu mets ta foi. In the death of Jesus. Dans la mort de Jésus. On the blood of Jesus. Sur le sang de Jésus. You don't do the same thing. Tu ne fais pas la même chose. That took Jesus to the cross. Qui a amené Jésus à la croix. That was repent in repentance. Dans la repentance. You stand before God. Tu te tiens devant Dieu. And say, oh Lord. Et tu dis, oh Dieu. I am sorry. Je suis désolé. I believe. Je crois. My sin. Mes péchés. Took Jesus to the cross. Ont amené Jésus à la croix. And you rejected him. Et tu l'as rejeté. On the cross. Sur la croix. Because of me. À cause de moi. Today, aujourd'hui, I repent. Je me repens. I abandon my sin. J'abandonne mes péchés. Accept me. Accepte-moi. Because of his blood. À cause de son sang. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Accept me. Accepte-moi. Because of his blood. À cause de son sang. And he will accept you. Et il va t'accepter. He will accept. Il va t'accepter. He will not only accept il you. Il va pas seulement t'accepter. Something also takes place. Mais in your life. Quelque chose va également se produire dans come ta vie. Come and read one last thing on the cross. Viens lire une Romans chapter 6 verse 6. Romains chapitre 6 verset 6. Romains chapitre 6 verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Amen. That's the cross. C'est ça la croix. Our old self. Notre vieil homme. Our sinful self. Notre homme pécheur. Was crucified. A été crucifié. With Jesus. Avec Jésus. On the cross. Sur la croix. Read verse 7. Lis le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. For anyone who has died has been freed from sin. Car celui qui est mort est libre du péché. That's the cross, the cross. C'est ça the la cross croix. Of Jesus. C'est la, ça that's la the croix. Cross of Jesus. La croix the de cross Jésus. Of Jesus. La croix de Jésus. The cross of la Jesus. Croix de Jésus. The cross of Jesus. La croix de Jésus. Transforme the sinner. Elle transforme le pécheur. So that the sinner. En sorte que le pécheur. Can know freedom. Peut connaître la liberté, la délivrance. From the power of sin. De la puissance du péché. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Brings forgiveness. Apporte le pardon. The cross of la Jesus. La croix de Jésus. Brings transformation. Apporte la transformation. Let's look at one, two things on the, about the name of Jesus. Considérons deux choses sur le nom de Jésus. The name of Jesus. Le nom de Jésus. The name of Jesus. Le nom de Jésus. Come and read for us Luke chapter 10. Lis pour nous Luc chapitre 10. Please listen very well because we will soon be praying. Écoutez très attentivement, nous allons bientôt prier. Verse 17 to 19. Luc chapitre 10 verset 17 à 19. Luc chapitre 10, verset 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Hallelujah. Jesus sent out 72. Jésus avait envoyé 72 disciples. When they came back, quand ils sont revenus, they were dancing. Ils dansaient. And why? Why? Pourquoi? They told Jesus. Ils ont dit à Jésus. Even demons. Même les démons. Submitted to us in your name. Nous étaient soumis en ton nom. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every demon will submit to tout us. Tout démon va nous se soumettre à nous.
in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Brethren, that's what the Bible says. C'est ce que la Bible dit. The disciples said, les disciples ont dit, even demons, même les démons, submitted to us in your name. Nous sommes soumis en ton nom. Jesus told them, Jésus leur a dit, that's not all. Ce n'est pas tout. In verse 18, au verset 18, Jesus replied, Jésus leur dit, I saw Satan, je voyais Satan, fall like lightning, tomber du ciel comme un éclair. It's not just demons that submit to us. C'est pas seulement les démons qui nous sont soumis. It's not just demons. C'est pas seulement les démons. Satan, Satan, fall down like lightning. Tombant du ciel comme un éclair. Hallelujah. Alléluia. Demons submit. Les démons se soumettent. When Jesus sent them out. Quand Jésus les a envoyés. When they went. Quand ils sont partis. Jesus did not go with them. Jésus n'est pas allé avec eux. But he was watching. Mais il veillait. Jesus was handling the devil. Jésus était en train de gérer le diable. Satan, Satan, controlling your life, contrôlant ta vie, today, aujourd'hui, will fall down like lightning. Il va tomber comme un éclair. Will fall down like lightning. Il va tomber comme un éclair. All the power that have been controlling your life, toutes les puissances qui ont été à contrôler ta vie, today, aujourd'hui, will fall down like lightning. Vont tomber comme un éclair. Fall down like lightning. Tomber comme un éclair. Will fall down like lightning. Tomber comme un éclair. The name of Jesus, le nom de Jésus, that empowers us, qui nous capacite, and it is by the name of Jesus, c'est par le nom de Jésus, that we pray, que nous prions, that we command demons to leave, que nous commandons aux démons de s'en aller. By the name of Jesus, c'est par le nom de Jésus, that very soon, que très bientôt. You will be set free. Tu seras libéré. By the name of Jesus. Par le nom de Jésus. By the name of Jesus. Par le nom de Jésus. By the name of Jesus. Par le nom de Jésus. Philippiens chapter 3, chapter 2. Philippiens chapitre 2. Read for us Philippiens chapter 2. Lis pour nous Philippiens chapitre 2. Verse 9 to 11. Du verset 9 au verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Read again. Lis encore. Because in salvation, parce que dans le salut, you believe in the name of Jesus, tu crois au nom de Jésus, and you have the name of Jesus, et tu auras le nom de Jésus, and you go out with the name of Jesus, et tu sors avec le nom de Jésus, and you will use the name of Jesus, et tu utilises, tu te sers du nom de Jésus. And what is that name of Jesus? Et quel est ce nom de Jésus? Lis encore ce verset. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. God has lifted Jesus and given him the name that is above every name. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Everybody said Jesus' name is above every name. Que tout le monde dise, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. The name of Jesus. Le nom de Jésus is above every name. Est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Read the next verse. Lis le verset suivant. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. That at the name of Jesus, every knee shall bow in heaven, on earth, and under the earth. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. That's what salvation is. C'est ça le salut. In your salvation, dans ton salut, you receive the name of Jesus, tu reçois le nom de Jésus, to utilize the name of Jesus, pour te servir du nom de Jésus. And that name, et ce nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms, that are the name of Jesus, afin qu'au nom de Jésus, every power of the enemy, toute puissance de l'ennemi will bow, se soumet, that are the name of Jesus, au nom de Jésus, whether in heaven, que ce soit au whether ciel, on earth, que ce soit sur la whether terre, the water spirit, que ce soit dans le domaine des eaux, whether the spiritual husbands, que ce soit les maris spirituels, whether the witches, que ce soit les sorciers, that are the name of Jesus, au nom de Jésus, they will bow, ils vont se prosterner, they will bow, vont se prosterner, finish it, fini, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. And that every tongue will confess. Et que toute langue confesse. That Jesus is Lord. Que Jésus-Christ est Seigneur. To the glory of God the Father. À la gloire de Dieu le Père. And every tongue include yours. Et toute personne t'inclut toi. It include yours. Ça t'inclut toi. That today. Aujourd'hui.
We command you. Nous te commandons. We compel you. Nous t'obligeons. To confess. À confesser. That Jesus is Lord. Que Jésus-Christ est Seigneur. In your life. Dans ta vie. 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 To summarize the message. Pour résumer notre message. What have we said? Qu'avons-nous dit? We have said. Nous avons dit. There is the blood of Jesus. Il y a le sang de Jésus. Made available for you. Rendu disponible pour toi. Made available for you. Rendu disponible pour toi. And that blood of Jesus. Et ce sang de Jésus. Is because. C'est parce que. Jesus died. Jésus est mort. And when he died. Et quand il est mort. The way to the Father is open. La voie qui mène au Père a été ouverte. The curtain is torn. Le voile a été déchiré. But to go directly. Mais pour aller directement. You pass through the blood of Jesus. Tu dois passer par le sang de Jésus. And to pass through the blood of Jesus. Et pour passer par le sang de Jésus, you believe in his name. Tu dois croire en son nom. And tell him, et lui dit, Lord, Seigneur, I believe. Je crois. You died for me. Que tu es mort pour moi. And that your blood. Et que ton sang is available for me. Est disponible pour moi. And when you do that, et quand tu le fais, God uses the blood of Jesus. Dieu se sert du sang de Jésus. Wash away all your sin. Pour laver tes péchés. Cancel, takes away the guilty conscience. Il enlève la conscience coupable. And cancel all agreement between you and Satan. Il annule les alliances qui existent entre Satan et toi. And then. Et alors, you enter his presence. Tu entres dans sa présence. And because of that, et à cause de cela, you can present your need to him. Tu peux lui présenter tes besoins. Because of that, à cause de cela, you become his child. Tu deviens son enfant. We have also said, nous avons également dit, there is his cross. Qu'il utilise, il y a sa croix. Which is his power. Qui est sa puissance. And that is the cross. Et que la croix. Destroy all the power of the enemy. Détruit toutes les puissances de Satan. All the power of the enemy. Toutes les puissances de l'ennemi. It breaks the power of demons. Cette croix brise la puissance break des démons. The power of sicknesses. Elle brise la puissance break des maladies. The power of curses. Elle brise la puissance des malédictions. Break all occultic powers. Elle brise toute puissance occulte. And break the power of sin. Et elle brise la puissance du péché. That the cross of Jesus. La croix de Jésus. Render you. Te rend. So that you can live a life without sin. Fais de toi quelqu'un qui peut mener une vie sans without péché, sicknesses, sans maladie, without curses, sans malédiction, without demons, sans démons. And that when that happens, et quand cela se produit, God gives you Dieu te donne the name of Jesus, le nom de Jésus, to use that name pour que tu t'en serves wherever you go, partout où tu vas. And when you go home, et quand tu rentres, you say in the name of Jesus, tu dis au nom de Jésus, in this home. Dans cette maison, every wicked spirit que tout esprit that has been hiding in my home, méchant caché dans ma maison, in the name of Jesus, au nom de Jésus, I command you, je vous commande. You go to your place de sortir. Tu vas au lieu de service say, in the name of et Jesus, tu dis au nom de Jésus, all the powers que toutes les puissances that have been at work qui ont été à l'œuvre contre moi, here, ici, in the name of au Jesus, nom de Jésus, I break those powers. Je brise ces puissances. And where you stay, et quand tu pars, you lift up your hand, tu, et quand tu restes, tu and lèves say, la main. In the name je of dis Jesus, au nom de Jésus. In the name of Jesus, au nom de Jésus. And like the apostle said, et comme l'apôtre l'a dit, demon will submit to you. Les démons vont se soumettre Jesus. À toi au nom de Jésus. Because of Jesus. À cause de Jésus. Let's clap to the Lord. Acclamons pour le Seigneur Jésus. What do we want to do now? Que voulons-nous faire maintenant? We want you to do something very simple. Nous voulons que tu fasses quelque chose de très simple. Very simple. Très simple. To believe. Que tu crois. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And to be washed. Que tu sois lavé. By the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. So that God will take over your life. Afin que Dieu puisse prendre le contrôle de ta vie. That's why we were explaining all this. C'est pour ça que nous expliquions toutes ces choses. Today. Aujourd'hui, all your sin can be forgiven. Tous tes péchés peuvent être pardonnés. Right now. Maintenant même. All your sin can tous tes péchés peuvent être pardonnés. Right now. Maintenant même. You can benefit from the blood of Jesus. Tu peux bénéficier du sang de Jésus. Right now. Maintenant même. You can be washed. Tu peux être lavé. If you are in this congregation, si tu es dans cette salle, and right now, et ici même, you are telling God, tu es en train de dire à Dieu, I'm sorry for my sin. Je regrette pour tous I mes believe péchés. Jesus died for me. Je crois que Jésus est mort pour moi. And right now, et ici là, I want all my sin wiped. Je veux que tous mes péchés soient lavés. I know. Je sais. My sin. Mes péchés brought him punishment. T'ont apporté la punition. And today, mais aujourd'hui, today.
today, aujourd'hui, I abandon my sin. J'abandonne tous mes péchés devant toi. But I want your cross. Mais je veux que ta croix to walk in me. Opère en moi. I also want your cross je veux également in que ta croix. If today, si aujourd'hui, you want Jesus, tu veux que Jésus, the blood of Jesus, le sang de Jésus, to wash away your sin, efface tous tes péchés. You are believing in Him. Tu es en train de croire. Ready lui to abandon your sin. Tu crois en lui et tu es prêt à abandonner tous tes péchés. Wherever you are, partout où tu es, put up your hand. Lève juste la main. God bless you. Que Dieu te bénisse. God bless you. Que Dieu te bénisse. Right now, maintenant même, put up your hand. Lève bien la main. You are saying, Lord, tu es en train de dire, Seigneur, I am sorry. Oh, je suis désolé. I am sorry. Je suis désolé. But I want to be forgiven. Mais je veux être pardonné. Because you shed your blood parce for me. Que tu as versé. Put up your hand very well. Pour moi, lève bien la main. Please, just stand up where you are and come. Vous tous, please come rapidly. Mettez-vous debout come et venez. Mais let vous the blood of Jesus venez, wipe venez away all your sins. Please vous come, venez. Come. God bless venez you. Venez le sang de Jésus. Please stand up and come. Lave vos péchés. Levez-vous et venez. God bless you. Come. Venez, come. Venez, venez, les amis. Tous ceux qui ont levé la main, all of you are putting up your hand. Tous ceux qui ont levé the la main, blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Available est disponible. To wipe away all your sins. Vous lavez tous vos péchés. Please, let's clap to the Lord. Acclamons as they come au to Seigneur pendant qu'ils viennent. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Washes all your sin. Lave tous tes péchés. Washes all your sin. Il lave tous tes péchés. All your sin. All your sin. Tous tes péchés. And the blood of Jesus. Et le sang de Jésus. Open the door. Ouvre la porte. For you. Pour toi. Into the presence. Dans la présence. Of God. De Dieu. Please stand up and come. Levez-vous et venez. There were many people behind them. Please just join them and come. Tous ceux qui se sont qui ont levé la main là-bas derrière, avancez, avancez. Venez, venez, venez. This is the last day of the crusade. C'est le dernier jour de la croisade. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Oh, let's clap to the Lord as they come. Acclamons pour le Seigneur. Clap to the Lord as they come. Clap to the blood of Jesus. Le sang de Jésus. Washes all sin. Il lave tous les péchés. And the cross of Jesus. Et la croix de Jésus. Breaks all power of the enemy. Il brise toute puissance de l'ennemi. That's what salvation is. C'est ça le salut. And you go away from here. Et ils vont partir d'ici. With the name of Jesus. Avec le nom de Jésus. To use that name. Pour utiliser ce nom. Wherever you go. Partout où ils partent. Wherever you go. Partout où ils partent. The power of the name of la Jesus. La puissance du nom please, de Jésus. Come, come, come. Venez, 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 after venez. After that we shall venez, use the venez. Name of Jesus. Nous allons nous servir du over nom de Jésus. Over your life. Sur ta vie. By that name. Par ce nom de Jésus. We break all the power of the enemy nous over your life. Nous brisons toutes les puissances de l'ennemi. There are a number of people up there. Il y a plusieurs personnes please qui sont stand au balcon là-bas. Stand descendez, descendez, oh, venez. Can the church begin to clap to the oh, Lord? Que l'église acclame pour le Seigneur. The day of salvation. Le jour the du salut. The day of salvation. Le jour du salut. The day of salvation. Le jour du salut. The day of God's victory. Le jour de la victoire. The day de Dieu. Of God's victory. Le jour de la victoire. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. That washes away all your sins. Qui lave tous tes péchés. After today, après aujourd'hui, Satan will condemn you no more. Satan ne va plus te condamner. Satan will not condemn you again. Satan ne va plus te condamner. You have no right to condemn you. Il n'aura plus de droit pour te condamner. Oh, the blood of Jesus. À cause du sang de oh, Jésus. Oh, the blood of Jesus. À cause du sang de Jésus. Washes as white as snow. Il lave et il rend blanc comme la neige. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Please come, 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 venez, come, come. Venez, 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 venez. Come. Venez. And benefit. Et vous bénéficiez. The blood, the blood, le sang, the blood of le Jesus, sang de Jésus, the blood of Jesus. Le sang de Jésus. Please come, come. Venez, 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 s'il vous plaît. Don't, this is the last day. C'est le dernier jour. If you are planning, si tu planifies, that it is tomorrow. Que c'est demain. I will come to the crusade. Que tu viendras à la croisade. To benefit. Pour bénéficier. From this, de ceci, you are missing it. Tu es en train de rater. Don't miss it. Ne le rate pas. Come and be clean. Viens pour être purifié. Put your faith. Pendant que tu mets ta foi, as you put your faith pendant que tu mets ta foi in the blood of Jesus, dans le sang de Jésus, please come. Levez-vous et venez. Come. Venez. No, please, let's continue to clap continue to the Lord. Acclamons we au are Seigneur. Clapping to the Lord. Nous acclamons we pour are le happy Seigneur. For contents. What God is doing. Pour ce que Dieu est en train de faire. Please, rapidly. Venez rapidement. Let the young come. Que les jeunes viennent. Let the old come. Que les vieux viennent. All come. Que tous viennent. And be clean. Et sois purifié. Please, don't delay from up there. Oh, ne retardez pas vous qui êtes en haut là-bas. Please, stand up and come. Descendez et venez. Come, come, come. Partout où vous êtes dans la salle, venez. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus.
The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Cancel all your sin. Annule tous tes péchés. When you believe, quand tu crois, you believe, tu crois, Lord, Seigneur, it is my sin that took you to the cross. Ce sont mes péchés qui t'ont mené à la croix. You will have the right, tu auras le droit, to pass through that blood, de passer par ce sang, to go to the presence of God, pour aller dans la présence de Dieu. Please come, venez, venez, come, venez. Hallelujah, the Hallelujah, blood, venez, the blood of Jesus, merci. Le sang de Jésus, the blood of Jesus, le sang de Jésus. And the cross of Jesus, et la croix de Jésus, will not work in the life, ne va pas travailler dans la vie, of the man that has rejected the blood of de Jesus, de celui-là qui a rejeté le sang de Jésus. And the name of Jesus, et le sang de Jésus, has no power, n'a pas de puissance, in the mouth, dans la bouche, of a man, de celui-là, who has rejected, qui a rejeté, the blood of Jesus, le sang de Jésus. Oh, there are still so many people sitting. Il y a encore tellement de personnes qui sont assises. Please just stand up and join. Levez-vous et venez vous joindre à la foule ici devant. Stand up and join. Levez-vous et venez vous joindre. Let it not be, qu'il ne soit pas que, that after 10 days, qu'après 10 jours, of preaching, de prédication, of singing, de chant, of praying, de prière, you are one of those, tu es l'un de ceux-là, who remain, qui reste, in the hand of the enemy, dans les mains de l'ennemi. Let it not be said, qu'il ne soit pas dit, that it was like that with you, que c'était comme ça pour toi, that you are one of those, que tu es l'un de ceux-là, who rejected, qui a rejeté, the solution, la solution, to your sin, pour vos péchés, pour tes péchés, that you are one of those, que tu es l'un de ceux-là, who decided, qui a décidé, you will not be washed by the blood of que Jesus, tu ne seras pas lavé par le sang de Jésus. What shall we do? Qu'allons-nous faire? If we escape such great salvation. Si nous rejetons un si grand salut. Please, there are still so many people sitting down. Il y a encore tellement de personnes qui sont assises. Who ought to be here? Qui devraient être ici? Don't miss this opportunity. Ne rate pas cette opportunité. There are still so many people. Il y a encore tellement de personnes. You are full of your sin. Tu es plein de tes péchés. And Jesus calls you today. Et Jésus est en train de t'appeler aujourd'hui. Come and be cleansed. Viens être purifié. Come. Viens. Come to me. Viens à moi. I will forgive you. Je vais te pardonner. I will forgive you. Je vais te pardonner. Come to me. Viens à moi. I will transform you. Je vais te transformer. Come to me. Viens à moi. I will forgive you. Je vais te pardonner. Come to me. Viens à moi. I will forgive you. Je vais te pardonner. We'll not spend so much time pleading to begging people. Nous n'allons pas passer tout le temps à supplier les gens. Because we want to use the name of Jesus. Parce que nous voulons utiliser le nom de Jésus. To pray. Pour prier. For this multitude that has come to take pour cover. Pour cette multitude. Under the wings of Jesus. Qui est venu se réfugier sur les ailes de Jésus. That's why. C'est pourquoi. We will not spend much time. On va pas passer beaucoup de temps. So please come rapidly. Donc viens rapidement. So that you don't miss the opportunity. Pour que tu ne rates pas cette opportunité. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. That cleanses. Qui purifie. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Will you go back? Vas-tu retourner? And your heart will be telling you. Your heart will be telling. Et ton cœur sera en train de te dire. Look at the blood. Regarde le sang. That was available. Qui était disponible. For you. Pour toi. To be accepted pour que by tu God. Sois accepté par Dieu. And you rejected et it. Et tu l'as rejeté. Is that what will happen to you? Est-ce que c'est ce qui va t'arriver? Please come. Viens. You matter to God. Tu comptes pour Dieu. You matter to God. Tu comptes pour Dieu. Even if you are the only one. Même si tu es la seule personne. You matter to God. Tu comptes pour Dieu. You are of value to God. Tu as de la valeur pour Dieu. That he sent his son. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils. He sent his son. Il a envoyé son fils. To shed his blood. Pour verser son sang. And on the cross. Et sur la croix. God denied his son. Dieu a rejeté son, a renié son fils. In order to accept you. Afin de t'accepter. But there are still a number of people sitting down. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont assises. There are still a number of people sitting down. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont assises.
There's still a number of people sitting. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont assises. Today is the last day. Voici venu le dernier jour. Today is the last day. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Today is the last day. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Please come. Viens. Before we pray. Avant qu'on ne prie. Viens, so you don't miss the opportunity. Afin que tu ne rates pas cette opportunité. Come. Viens. Come. Viens. Come. Viens. It may be too late for ça you. Ça pourrait être trop tard pour toi. It may be too late. Ça pourrait être trop tard pour toi. It may be too late. Ça pourrait être trop tard pour toi. Please come from behind there. S'il vous plaît, ceux qui sont au fond là-bas derrière, venez. Come, come, come. Venez, venez, venez. Come from behind there. Venez du fond de la salle là-bas. Venez, venez juste. Come. Venez. Even if your heart is telling you, même si ton cœur est en train de te dire, is telling you something else. Autre chose. That is the devil. C'est le diable. It is the devil telling you. C'est le diable qui est en train de te dire. Don't go. Ne va pas. Satan. Satan is a specialist. Est un spécialiste. To keep people away from God. Pour garder les gens loin de Dieu. Yes, come, come. Oui, come, viens. Come. Viens, viens. Viens. Come. Viens. Come and take shelter. Viens te réfugier. Now, brethren, there are still many people. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Lift up your hand. If you are a believer, lift up your hand. Si tu es un croyant, lève la main. And command. Et command. The enemy is still keeping anyone down. À l'ennemi qui break the power. Confusion. Break the resistance. Brise sa puissance. Brise la résistance. No, there are still so many people. Il y a encore tellement de personnes qui sont assises. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We free you from where you are sitting. Nous te libérons de là où tu es assis. We free you where you are sitting. Nous te libérons de là où tu es assis. And we break the grip of the enemy et over your life. Et nous brisons l'emprise de Satan sur ta vie. As they pray for you, please just come rapidly. Pendant qu'on prie pour toi, lève-toi juste et viens. Come, come, come. Viens, come, viens, viens. On a come. Prié pour toi, viens. Please come. Lève-toi et viens. Come. Viens. We free you where you are sitting. Nous te libérons là où tu es assis. Every argument in your heart. Tout argument dans ton cœur. We cancel it now. Nous l'annulons maintenant. And we free you to come et to nous Jesus te libérons pour que tu viennes à Jésus. And benefit from the blood of et Jesus. Que tu bénéficies du sang de Jésus. You are afraid. Tu as peur. That you may not be able to abandon your sin. Que tu pourrais ne pas être en mesure d'abandonner tes péchés. The cross of Jesus. La croix de Jésus. Set us free. Nous a franchis. From the power of sin. De la puissance du péché. Come. Viens. Come. Viens. Clap to the Lord as they come. Acclamons pour le Seigneur. Clap to the Lord as they come. Acclamons pour le Seigneur pendant qu'il vient. Clap to the Lord as they come. Acclamons pour le Seigneur pendant qu'il vient. Reject the devil. Rejette le diable. Resist the devil. Résiste au diable. Resist that voice. Résiste à cette voix. Resist that voice. Résiste à cette voix. That says that you cannot be saved. Qui te dit que tu ne peux pas être sauvé? That says. Qui dit? You have committed the worst sin and que you cannot be saved. Le pire des péchés, tu ne peux pas être sauvé. If you're a backslider, si tu es un rétrograde, you are backslidden. Tu as rétrogradé. You were once a believer. Tu as été croyant. You are a backslider. Tu es rétrograde. You backslid. Tu as rétrogradé. You abandon God. Tu as abandonné Dieu. Abandon the church. Tu as abandonné l'église. Stand up and join them. Lève-toi et viens te joindre à eux. You will be restored. Tu seras restauré. And all the backsliders, please come also. Tous les rétrogrades, levez-vous et venez. Stand up, if you are a backslider, come si and join. Retrograde, lève-toi et viens, viens come te and joindre. Join.
Viens te joindre. Come rapidly. Viens rapidement. If you are a backslider, please come. Si tu es un rétrograde, lève-toi et viens. Come, yes, God bless you. Oui, let's clap to the Lord as they come. Acclamons pour le Seigneur pendant qu'il vient. Réjouissons-nous pendant qu'il vient. As backsliders come back to the faith. Pendant que les rétrogrades reviennent à la foi. Please come. If you are a backslider, venez. Si tu es un rétrograde, partout où tu te trouves, lève-toi et viens. You know it. Nobody needs to convince tu you. Tu le sais, personne n'a besoin d'argumenter because avec from toi. That, from the moment you backslide, parce que dès l'instant où tu as rétrogradé, you know what is happening in your toi-même life. Toi-même, tu sais ce qui se passe dans ta vie. Please come. Lève-toi et viens. Lève-toi all backsliders viens. Come. Que tous les rétrogrades viennent. All backsliders come. Que tous les rétrogrades come reviennent. Back to the Father. Revenez au Père. Revenez come au Père. Back to the Father. Revenez au Père. Revenez come au Père. Back to the Father. Revenez au Père. Revenez au Père. I beg you, come back je to the Father. Je vous en supplie, revenez au Père. Revenez he au Père. He is willing to accept you il again. Il est prêt à vous accepter. You are in the wrong place. Vous êtes you are in the wrong place. Tu es au mauvais endroit. You are in the, with the wrong person. Tu es avec la mauvaise personne. You are with the devil. Tu es avec le he diable. Does not love you. Il ne t'aime pas. He does not love et you. Il ne t'aime pas. He does not. Please come lève back. Toi, viens, lève backsliders, toi, viens. Backsliders come. Oh, backsliders revenez, come. Revenez, 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 revenez. Come. Revenez. Please come. Revenez, s'il vous plaît. There are still others. Il y a encore plusieurs autres. Both backsliders. La plupart des rétrogrades. Both backsliders. Both backsliders. Ok, aussi bien les rétrogrades. And those who need to be. Et ceux qui veulent donner leur vie à Christ aujourd'hui. Venez. If we stop now. Si nous nous arrêtons maintenant. It will be painful for ça you. Ça sera douloureux pour toi. You know it. Tu le sais. You will go back guilty. Tu vas retourner coupable. You will go back guilty. Tu vas retourner coupable. Guilty. Coupable. That you rejected the d'avoir Savior. Rejeté le Sauveur. That you rejected life. D'avoir rejeté la vie. Oh, come. Oh, viens. Come. Viens. Come to the Savior. Viens au Sauveur. 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 Come back to the Savior. Reviens au Sauveur. Listen, écoute. If a house is on fire, si une maison est en feu, and they are asking you, et on est en train de te demander, to leave, sors de cette maison. Will you say that I will come out tomorrow? Vas-tu dire non, je vais sortir demain? The Bible says today. La Bible dit aujourd'hui. Today, aujourd'hui, is the day of salvation. C'est le jour du salut. Not tomorrow. Pas demain. Not tomorrow. Pas demain. Not tomorrow. Pas demain. Your house is on fire. Ta maison your est en feu. Your life is on fire. Ta maison est en feu. This is the time. Voici l'instant. To come out. De sortir. Please come. S'il te plaît, viens. God bless you. Que Dieu te bénisse. If we stop now, si nous nous arrêtons maintenant, your blood will be on your own head. Ton sang sera sur ta tête. Your blood will be on your own head. Ton sang sera sur ta tête. Because we have spoken. Parce que nous avons parlé. They have preached. On a prêché. They have sung. On a chanté. Please, s'il te plaît, come. Viens. Come. Viens. Don't harden your heart. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Don't harden your heart. N'endurcis pas ton cœur. Don't harden your heart. N'endurcis pas ton cœur. Don't harden your heart. N'endurcis pas ton cœur. Hell is not a pleasurable place. L'enfer n'est pas un lieu. The devil is not a friend. L'enfer n'est pas un lieu où tu dois aller. Le diable n'est pas un ami. Don't harden your heart. N'endurcis pas ton cœur. Please come. S'il te plaît, viens. Satan is a liar. Le diable est un menteur.
there's someone, my heart is so full of pain because of that person. Mon cœur est plein de douleur à cause d'une personne. Because of what you have gone through. À cause de ce par quoi tu es passé. But you are still resisting. Mais tu continues à résister. Please just stand up and come before we pray. S'il te plaît, lève-toi et viens avant que nous ne prions. Stand up and come before we pray. Lève-toi et viens avant que nous ne prions. Stop resisting the voice of God. Cesse de résister à la voix de Dieu. Please come. Viens, s'il te plaît. That one last chance for you. Cette dernière opportunité, c'est pour toi. Then we shall pray. Et nous allons prier. In a minute's time, we shall pray. Dans une minute, nous allons prier. Then we will tell God. Et nous allons dire à Dieu. We are free of the blood of everyone. Nous sommes libres du sang de tout un chacun. In this room. Dans cette salle. We tell God that we are free of nous dirons à Dieu que nous sommes libres du sang de chacun d'entre vous. Where is that lady who must come? Qui est cette jeune dame qui doit venir? You have come in front here. Vous êtes venu ici devant. Not because you qualify. Pas parce que vous êtes qualifié. Let's clap to the Lord. Acclamons pour le Seigneur premièrement. You have come here because of the blood of Jesus. Vous êtes venu ici devant à cause du sang de Jésus. It's only because of the blood of Jesus. Ce n'est qu'à cause du sang de Jésus. Because you don't qualify. Parce que vous n'êtes pas qualifié. He died for you. Il est mort pour vous. Lift up your hand. Levez la main. And say, Lord. Et dites, Seigneur. Lord, pray aloud. Lord. Dites-le à haute voix. Dites, Seigneur. I believe. Je crois. I believe. Je crois. You died for me. Que tu es mort pour moi. Dites-le à haute voix. Je crois que tu es mort pour moi. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi. I come to you now. Je viens à toi maintenant. I am sorry for my sin. Je suis désolé pour mes péchés. I am ready to abandon all my sin now to follow you. Je suis prêt à abandonner tous mes péchés maintenant pour te suivre. I beg you to forgive me. Je te supplie de me pardonner. And I beg you to accept me. Et je te supplie de m'accepter. Take my life, Lord. Prends ma vie, Seigneur. I will follow you with all my heart. Je vais te suivre de tout mon cœur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. You have come to Jesus. Tu es venu à Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Clap to the Lord. You who acclamez, are here. Acclamez vous-même qui êtes là devant. Clap, acclamez. Clap to the Lord. Acclamez pour le Seigneur. There are some who are praying seated. Il y a certaines personnes qui ont prié étant assis. There are people who, as they were praying, maybe you were afraid. Il y a des personnes qui, quand on priait, tu avais peut-être peur. To come here. Pour de venir ici. As they are going down. Ils vont descendre maintenant. Follow them. Suis-les. You are like the person who came to Jesus by night. Follow them. Tu es comme celui-là qui était venu rencontrer Jésus de nuit. Suis-les. Amen. Amen. Please, somebody is going to talk to you. Quelqu'un va s'entretenir avec toi. Then after that, et après cela, you will come back, tu reviendras. And we shall pray for you. Et nous allons prier we shall pour toi. Use the name of Jesus, nous allons nous servir du nom de Jésus to break all the power of the enemy, pour briser toutes les puissances de l'ennemi over your life, sur ta vie. Over your life. Sur ta vie. So you follow up, donc,
Nous avons une autre salle. Vous allez juste suivre le frère. Vous allez suivre le pasteur devant vous en blanc. Vous le suivez. Qui prennent leurs effets d'abord, non? Prenez vos effets. Vous prenez vos effets et vous le suivez. So please just take your Nous avons une autre salle dans laquelle vous allez partir. Take your things, your property, and follow. Go suivez down. Le pasteur. Attends. Together with those Mais who invited them ceux qui sont assis ici, qui ne peuvent pas se déplacer vers le hall d'en bas, certaines personnes vont venir les prendre. Que des conseillers viennent prendre ceux qui sont assis ici. And counselors follow down also, please. Pendant que les autres descendent, s'il vous plaît, conseillers, suivez-les. Et ceux qui les ont invités, suivez-les. Even if you have not been a counselor and you can help, please go down. Même si tu n'as pas conseillé, mais que tu peux aider, même si tu n'as pas invité quelqu'un ici et que tu peux conseiller, s'il te plaît, descends, suis les autres. Nous avons besoin de quelques mamans, quelques sœurs aînées pour venir prendre soin de ceux-ci. Nous avons besoin de quelques frères et sœurs pour venir prendre soin de ceux qui sont assis ici, qui ne pourront pas descendre. Jésus n'a pas changé, il est le même.